Hey Emery, Body, j'espère que vous savez si c'est le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui, je suis dans une tenue de combat, ok, parce que on va s'attaquer à ce qui est derrière moi, c'est-à-dire mon dressing, et on va trier tous mes vêtements. Ça va être très long. Si vous voulez avoir un petit peu tout le rangement que j'ai fait, etc., je vous invite à aller voir cette vidéo, ou alors je vous la mets dans la barre d'infos. J'ai fait une vidéo sur mon nouveau dressing en fait, parce qu'avant c'était pas du tout ça. Du coup aujourd'hui on va trier tous les vêtements qui sont derrière moi, et si cette vidéo vous plaît, je pourrais le refaire avec les vêtements qui sont dans mon armoire. Alors, évidemment les vêtements que je ne mets plus, je vais pas les jeter, je vais les vendre, parce qu'après des années et des années à donner mes vêtements aux associations, et ben je commence à être dans une période où j'ai besoin de... dessous. Je propose qu'on commence par les jeans parce que bah on va aller de bas en haut. Voilà, donc on va commencer par les jeans, c'est parti. J'ai déjà trié tous les vêtements de cette étagère, bon il n'y avait pas beaucoup, il y avait un étage et demi qui était rempli. Et du coup j'ai déjà tout ça à vendre, du coup bah, j'ai pas mal de vêtements à vendre, donc c'est pas mal. Je vais ranger et du coup remettre tout ce que je garde, et on s'attaquera à la deuxième armoire juste après. Non mais parce que la pile, vous la voyez pas en entier, mais la pile de t-shirts. Parfois je retrouve des t-shirts dedans, j'avais oublié que je les avais. D'ailleurs je tenais pendant cette petite pause, je voulais juste vous informer qu'il y aura plein de vidéos réorganisation, tri et tout sur cette chaîne. Mais voilà, en gros ce sera une grande série rangement, il y aura plusieurs épisodes pendant l'année, du coup j'espère que ça vous plaira. Mais j'ai vraiment plein de tri à faire dans ma chambre cette année, parce que je grandis, je me rends compte qu'il y a des trucs que je garde dans ma chambre pour des souvenirs et qu'au final ça me sert plus du tout. Le seul truc qui me reste à faire c'est du rangement, du tri, jeter ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que la perfection c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Donc une fois que j'aurai tout retiré, ma chambre sera parfaite. Du coup c'est parti, on entame la deuxième étape. Alors au niveau des t-shirts, je me suis pas débarrassée de tant de choses que ça, parce qu'il y a quand même des trucs, je me dis au cas où, c'est le truc à pas faire quand tu fais du tri, mais je me dis vraiment que je pourrais les remettre, faut juste que j'y pense en fait. Donc j'ai encore tout ça de vêtements, enfin de t-shirts, donc c'est plutôt pas mal. Ça me fait quand même de la peine de me séparer de mon ancienne grosse pile, mais au final je vais pas vendre tant de t-shirts que ça. Au final je vais vendre à peu près ça de t-shirts, donc c'est déjà pas mal. Mais franchement je vais pas les vendre cher, je vais vraiment faire. D'ailleurs si vous avez Vinted, n'hésitez pas à passer sur mon compte. Je sais pas si ce sera sur Vinted quand je posterai cette vidéo, parce que là je vais pas avoir le temps de tout prendre en photo. Là je vais trier, je ferai Vinted chez moi, etc. Mais n'hésitez pas, je vous partagerai mon compte Vinted ou je ne sais pas quoi. Avec les manches longues au final ça va, il me reste ça. Et vraiment là ça me déprime quand je vois ça, genre j'ai trois jeans quoi, enfin je les compterai après, mais on va s'attaquer au pull.
bah merci de m'avoir accompagné dans l'épisode 1 de cet adieu au bordel. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai si je continue en non répertorié ou en public. Et bah, je vous fais quand même des petits énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. J'ai pas appris l'abonnement, ça m'arrive souvent. D'ailleurs, en parlant de l'abonnement, n'oubliez pas l'abonnement. Okay, je vous fais quand même des petits énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.